Bon foutop, cette merveilleuse chronique avec de merveilleux t-shirts que vous pouvez d'ailleurs acheter sur le site SIS Play. Ça coûte pas cher, quoique, si, quand même, mais c'est normal, ils sont très beaux, non, ça coûte que 25 balles. Alors, bof ou top, le choix d'un morceau, Olivier Gosserie l'a choisi, Jean-Marc Guéra et moi-même, après on va débattre si c'est bof ou si c'est top. Quel est le choix du morceau? Corona, Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. All night. Oh yeah. Comment est-ce qu'on peut dire bof après? Tu dis? Ben écoute, non, top. Tu dis top? Ouais, je vais dire top finalement. Jean-Marc? Bof. Bof. B-O-F. B-O-F. Un grand O. Bon, moi je dis top, mais je le dirai pourquoi après. Vas-y, tu commences alors. Alors pour moi, la Corona, c'est une mauvaise bière. Et qui dit mauvaise bière? Qui dit mauvaise bière? Dit mauvaise musique. Non, c'est une musique à laquelle je n'adhère pas. D'accord, c'est de la dance. This is the rhythm of the night, comme ils le disent. Bah ouais. Mais en même temps, c'est une grosse dope. Hein, tu peux le dire, c'est une grosse dope. Eh ben, j'ai failli le dire. Donc c'est une grosse dope, je le dis. Non, c'est trop répétitif. C'est du marshmallow. C'est de la merde. Exactement. Non, n'exagérez pas. On va biper hein, les gros mots. Hein. Ouais, mais c'est quoi? C'est ton seul argument, c'est ça? C'est que c'est répétitif? Mais la musique, Michel, c'est tu l'aimes ou tu la quittes? Ben celle-là, je la quitte. Bon, je dis top parce que d'abord, je connais les producteurs italiens, donc c'est des potes. Ah, voilà. En plus, ah, voilà. J'étais à New York, voilà. À ce moment-là. Du patriotisme. Et je vous garantis que ça tournait à New York, mais en boucle toutes les heures. Et encore aujourd'hui, 25 ans après, c'est carton. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer ce morceau? Je sais pas. Vas-y, Olivier. 1994. Alors au départ, c'est tout ce que je déteste. Dans les années 90. Ah, quand même! Non, Au départ, c'est tout ce que je déteste. On est en 2023. En 2023, j'adore. Parce que ça a bien vieilli, ça a traversé le temps. Et lui aussi, a c'est catchy, tout le monde connaît, tu le joues, tout le monde chante. C'est un morceau festif, c'est un morceau d'ambiance. Je dis un grand top et je n'ai plus rien à dire sur ce morceau. Non, en plus, on l'a repris dernièrement, je veux dire, dans des remixes, dans des morceaux. Ah qui... L'Eurodance, messieurs, est un mouvement qui est revenu à la mode et qui va traverser le temps. Donc voilà. Donc c'est l'Eurodance italienne a cartonné à fond et dans les tournée des années 80 et 90, quand un band de Rodents monte sur scène, c'est la folie, tout le monde repart. C'est un vrai morceau de DJ. Michel, oui. On continuera à danser sur Corona, même en n'aimant pas Corona. Je voudrais acheter un t-shirt bof ou top, oui. Comment je peux faire? Ah bien, tu vas sur le site SIS Play et tu achètes 25 balles. A très vite pour un autre bof ou top sur votre radio préférée et bien sûr en podcast. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires, on adore ça.